C'est une plante qui s'appelle la berce spondyle. Alors voilà, c'est juste le bon moment pour récolter cette plante. Donc c'est une plante qui n'est pas évidente. C'est une plante qui est plutôt réservée à des gens qui ont déjà quelques années d'expérience. Ça dépend du temps que vous y passez, mais si vous êtes à fond deuxième ou troisième année, si voilà, si vous faites ça en dilettante, il faut plutôt attendre 3-4 ans. Donc cette plante, on peut la reconnaître, elle est très découpée, mais elle ressemble à d'autres qui sont toxiques. Donc c'est déjà c'est pas facile à expliquer et en plus il y a des très grosses toxiques qui lui ressemblent. Cependant, elle est super intéressante. C'est que elle a un petit goût de mandarine et ce pourquoi je me suis arrêtée, c'est que ici il y a le bouton floral. Donc, alors, le point, voilà, le bouton floral, voilà comment il se présente. Et ça sent la mandarine. C'est super bon. Donc, cette plante va faire donc entre 1,50 m et 2 mètres. Cette plante, c'est la berce spondyle, c'est l'herbe à lapin aussi. Hein. Autrefois, c'est vous dire à quoi elle servait autrefois. Et ce qui est bien dommage, parce que c'est une plante qui est vraiment très intéressante, couplant l'appelle aussi le ginseng européen. Donc ça vous indique un peu quelles sont ses propriétés. Donc stimulante. Donc pas besoin d'aller chercher le ginseng. On a cette plante, la berce spondyle, qu'il faut apprendre à connaître. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une plante avec laquelle qu'on peut confondre avec une autre berce, la grande berce, qui est très très brûlante au niveau de la peau. On peut même faire des séances à l'hôpital à cause des brûlures qu'elle peut occasionner. Celle-là aussi, dans une moindre mesure, chez certaines personnes très allergiques. Mais normalement, moi, j'ai jamais eu ce souci-là, mais comme je sais que ça existe, je vous en parle pour que vous puissiez faire attention si jamais vous avez ce genre d'allergie dermatologique facile, quoi. Voilà, donc c'est une petite plante au goût de mandarine que je vous recommande. Bon appétit et bonne récolte. Pensez à liker, vous abonner pour rien manquer. Bye bye! Thank you.